Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Versus, l'émission qui confronte vos professions. Aujourd'hui, on s'attaque au showbiz, avec le producteur Pascal Denis et le groupe Krusty Five, suivi bien entendu de notre désormais célèbre cube des interrogations. Et on commence tout de suite avec monsieur Pascal Denis. Quand j'avais 4 ans, je voulais être Guy Lux. Alors Guy Lux, c'était un animateur d'émissions télévisées. Et puis ensuite, j'ai vraiment continué là-dessus. Et pour la petite anecdote, quand j'étais à l'école, si j'avais une mauvaise note ou si j'avais été un peu désagréable avec mes parents, la solution, ils me punissaient. Je ne regardais pas les émissions de l'époque, le palmarès des chansons, Interville, enfin toutes ces émissions festives et de variété qu'il y avait à la télé présentées par l'ami Guy Lux. Moi, j'ai commencé donc en étant animateur. J'ai fait toutes les animations possibles et inimaginables et donc je côtoyais par la force des choses de nombreux artistes qui avaient leurs producteurs. Et puis quand on aime le spectacle, il y a plusieurs petites routes et moi j'ai pris celle de la production parce que ça m'a toujours intéressé de monter mes propres spectacles, de les écrire, ensuite de faire un casting pour trouver les artistes qui vont jouer dans le spectacle en question. Et ensuite, louer la salle, investir dans les costumes. Pour écrire un spectacle, c'est relativement long, bien sûr. Il faut, généralement, tout dépend le spectacle que l'on écrit, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans avant qu'il ne soit sur scène. On voit ce qu'il y a à faire et puis on travaille ensemble au niveau musique, au niveau répertoire, au niveau du style. Et puis après, bon, bah voilà, c'est calé, on monte un spectacle et puis c'est parti. Et il y a aussi la partie production, c'est la partie promotion du spectacle. C'est-à-dire qu'il faut, il va falloir communiquer sur ce spectacle pour qu'il soit, qu'on sache qu'il existe. Donc moi j'ai plusieurs spectacles en production, ça va des tributes en hommage à tel ou tel artiste, de la revue cabaret, spectacle enfant également, voilà. Et là la prochaine production que je mets en place pour 2017, c'est totalement différent. Alors on parle un petit peu de projet effectivement, mais demain et après-demain déjà on peut en parler, t'as la nuit de la magie à Saint-Quentin-Palavier. C'est mon ami Nicolas Gangean qui a mis en place avec sa société Oratory. La nuit de la magie et c'est toujours un grand plaisir de venir travailler sur cet événement. Nous on a notre propre matériel de base au niveau éclairage, au niveau sonorisation pour des spectacles pouvant aller jusqu'à 1500, 1800 personnes. La société s'appelle Live Contact Productions et on a fêté l'année dernière pour la petite histoire le 25e anniversaire. Donc c'est je suis assez content de ça. Et je suis toujours à la recherche d'artistes, de jeunes talents, même qui au départ ne sont pas professionnels. Moi j'en ai plusieurs comme ça que j'ai dénichés et qui sont aujourd'hui professionnels et qui en vivent. Hein. Pascal Denis, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je le connais. C'est une personne que j'ai vraiment appréciée parce que c'est quelqu'un de humble. Vous l'avez vu, hein, comment il est. C'est quelqu'un qui est plutôt réservé, mais quand il est en animation, il donne tout ce qu'il a. Il est très sympathique, très avenant, très professionnel aussi, c'est carré. Donc oui, après, c'est bien agréable de travailler avec lui. Ouais. C'est lui qui gère tout. Nous, on a juste à faire le show. C'est tout. Et lui, il s'occupe du reste. C'est le papa. C'est le papa. C'est le papa. Sans transition, on enchaîne avec les Jazzmen de Krusty Five. Bonjour à tous, nous sommes les Krusty Five, nous sommes un jeune groupe composé de 5 musiciens, on appelle ça un quintet de jazz, avec Romain Fréchin à la batterie, Thibaut Smerzik au saxophone, ténor, Pierre-Étienne Parent au piano, au clavier, et Hugo Merapti à la basse, et moi-même, Christophe Donadieu, à la trompette, au bugle et au chant. One, two, three, four.
maintenant le moment que vous attendiez tous, le cube des interrogations. La salle où vous jouez dans vos rêves les plus fous. La salle de bain. Je sais pas. Un petit stade. Un petit stade, quoi, genre stade municipal de Villefontaine. Une petite improvisation sans instrument. Na 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 na. 3, 4. À quoi ressemblez-vous en écoutant du Justin Bieber? Comme si j'avais la gastro pour moi. Un chien. Ouais, bonne réponse. Une réplique choc de producteur. Si tu veux réussir, tu couches. Quel est votre pire souvenir lors d'un concert? J'avais une bouteille d'eau en fait et je l'ai renversée. Elle était pleine et je l'ai renversée sur la scène. C'était glissant. C'est vrai que c'est hardcore quand même. Heureusement que tu n'as pas mis un petit peu de questions. Choqué. C'était des lasagnes au tofu personnellement. L'anecdote la plus drôle sur un de vos artistes. Une fois, une danseuse est entrée sur scène, elle avait oublié de mettre son string. String de scène, je précise. Elle s'est retrouvée sans culotte sur la scène. Et ça, moi, ça m'a fait mourir de rire. Quel artiste referiez-vous revenir d'entre les morts? Claude François, j'ai jamais travaillé avec lui, mais ce serait marrant de faire un spectacle avec Claude François. Est-ce qu'un groupe sans producteur, c'est comme une fleur sans racine? C'est bon. Vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il faut être un rêveur pour être un artiste? Incontestablement, oui. Si on veut, il faut toujours faire que les rêves dévorent sa vie et pas le contraire, parce que sinon on ne fait rien dans la vie. Dites un mot qui vous fait rire. Eh bah, Merapti. Oh bah c'est sympa. Le nom de notre bassiste. Ça veut dire marabout en arabe, est-ce que tu savais ça déjà? Ah ouais, je suis un descendant de marabout moi. Oh là là là. Voilà, c'est fini. Merci, c'était bien sympathique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Pascal Denis, au groupe Krusty5 et à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à base de sueur de front, sportif versus coach.